de très beaux buts dans ce top but de la dernière journée des matchs aller de la Ligue 1. En cinquième position, le but de Sanogo Mohamed Vira de l'Africa Sport d'Abidjan face à l'USC Bassam, bien servi qui du gauche par le portier bassamois. L'attaquant Aiglon, qui est très très bien servi, ne se pose pas de questions et ajuste Beugré-Ange. En quatrième position, ce 1-2 de la tête entre Ouattara et Boukari avec à la clé ce beau but. Un ballet aérien bien orchestré qui donne un but de belle facture. En troisième position, le but de Brook Kwadjo Guy Serge de l'USC Bassam face à l'Africa Sport d'Abidjan. L'attaquant bassamois se couche bien avant de reprendre une balle morte qui se loge dans la lucarne. Un but imparable qui ne laisse aucune chance à Abdoul Karim Cissé. En deuxième position, ce but de la tête de Kofi Nyayao de l'AS Dengele d'Odiéné face à l'AFA de Djekanou. L'avancante d'Odiéné devance le portier académicien et d'une tête rageuse ouvre le score. Un but plein de finesse à enseigner dans les écoles de foot. En première position, ce lob de 30 mètres de Gonazo Biya Thomas de la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville qui trompe Kraba Odié, le portier de Bengerville. Un but de grande classe qui démontre toutes les aisances techniques de ce garçon, dont c'est le troisième but retenu dans le top but durant cette première partie de la Ligue 1.